Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Le festival Danse Beau Regard change de nom et devient le festival Echo en s'associant au musée dauphinois. Jusqu'au 30 juin, il permet de découvrir des créations contemporaines jugées parfois trop élitistes avec 4 soirées dansantes sur 2 plateaux à Cessiné et au musée dauphinois, le tout présenté par 13 compagnies. Rester la main tendue à mendier le bien. Après 7 albums et 2 disques d'or, Osmo Puccino est à la Baie Électrique mercredi pour célébrer les 20 ans d'Opéra Puccino. Opéra Puccino fait partie des disques fondateurs de l'histoire du rap français. Il a collaboré notamment avec Booba, Ibrahim Malouf, M ou encore Akhenaton. Je te parle pas d'études, mais de toi, connard. L'exposition « La nature a horreur du vide » d'Emmanuel Louis Grand, c'est en ce moment en vogue. Emmanuel Louis Grand est un artiste et jardinier. Il questionne l'espace public, le jardin et la ville en transition. Explication. Emmanuel Louis Grand, on l'a invité pour qu'il transforme un petit peu l'espace. C'est quelqu'un qui, en général, travaille avec de la matière naturelle, de la matière végétale, qui travaille dans les jardins. Il est sorti de ses sentiers battus, oui. Pour se confronter à l'intérieur. Un artiste jardinier, c'est un artiste qui a décidé, à la fin de ses études à l'École des Beaux-Arts de Lyon, de prendre une parcelle de jardin ouvrier à Saint-Étienne comme espace d'atelier pour être à l'interface de la ville et de la campagne et de traiter de cette question de la dualité de la ville et de la campagne et surtout de travailler avec du vivant en fait. Ce que j'ai voulu jouer ici, c'était l'idée aussi du magasin, du showroom, parce que quand on regarde la rue Aristide Briand, je crois, on a beaucoup de commerces qui sont fermés et j'avais envie de venir, de réouvrir en fait, comme réouvrir une boutique et d'avoir un showroom avec une diversité de formes, de sculptures, aussi de peintures, parce que derrière moi en fait c'est une peinture hein, au néon, et qu'on est en fait comme dans un catalogue. Une succession en fait de formes qui peuvent faire penser à ce que j'ai travaillé auparavant en fait. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.